monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon 10e bilan couture. Alors ça va être un gros bilan couture puisque je n'ai pas pu filmer le mois passé. Pas que je sorte un bilan couture spécialement par mois, mais en tout cas j'essaie quand même d'être plus ou moins régulière, toutes les 4-5 pièces. Et là aujourd'hui je pense que j'ai 9 pièces à vous présenter, donc c'est que j'en ai sauté, hein. Le temps m'a manqué ces dernières semaines, l'organisation à la maison a été un peu chamboulée par le Covid et les vacances scolaires et tout ça. Mais me revoilà aujourd'hui pendant une sieste, qui j'espère va me permettre de filmer, pour vous présenter toutes mes nouvelles réalisations. Donc on se retrouve tout de suite. Je porte le chemisier Drest que je vous ai déjà présenté de multiples reprises. Je n'ai toujours cousu aucune version de ce patron, mais à chaque fois que je le porte, je me dis qu'il faut absolument que je m'en refasse une parce que c'est vraiment, je pense, un des vêtements cousu main que je préfère porter. Donc voilà. Vous allez voir, dans ce bilan couture, il y en aura pour tout le monde. J'ai cousu pour mon chéri, j'ai cousu pour ma fille et j'ai cousu pour moi. J'ai aussi fait l'acquisition d'une surjeteuse, donc je suis trop contente. J'ai plein de pièces à la surjeteuse à vous présenter. C'est aussi pour ça qu'il y a 9 pièces dans ce bilan couture, c'est parce que la surjeteuse ça va deux fois plus vite. Et donc voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je pense que je vais commencer par les cousettes pour mon chéri, puis je vous présenterai ce que j'ai cousu pour moi et je terminerai par ce que j'ai cousu pour ma fille. La première réalisation couture que j'ai faite pour mon chéri, mais en fait, la première. Il y en a deux, mais j'ai cousu deux fois la même chose. Je lui ai cousu en fait deux chemises Jackson de la Maison Victor. Elle vient du magazine La Maison Victor de mai-juin 2021. C'est celle-ci qu'on peut faire dans le même tissu ou dans deux tissus différents, on sait comme on veut. Moi, je l'ai fait chaque fois dans le même tissu. Voilà, elle ressemble à ceci. Alors c'est une chemise qui est extrêmement simple, que je recommande si comme moi vous n'aviez jamais cousu de chemise avant, puisque le col est super simple, que les manches sont courtes avec un ourlet le plus simple du monde, la patte de boutonnage c'est juste un repli, je vous l'ai déjà dit, mais je vous la recommande vraiment à 1000% si vous n'avez jamais cousu de chemise. C'est vraiment hyper simple. Alors moi, la chemise Jackson, j'ai repris mes petites notes, elle rentre dans 1,10 m de tissu, sachant que je lui ai fait en 38 pour l'encolure, mais que sur les côtés, un M plutôt, oui c'est ça, je fais un M sur le dessus et puis sur les côtés, je rabote jusqu'au S. Voilà, j'ai réadapté mon patron comme ça parce que c'est ce qui lui allait le mieux, sinon au niveau du cou ici, il est trop serré. Mais pour tout le reste, le S, c'est bon. Donc j'ai fait comme ça. Donc la première version de la chemise Jackson, c'est celle-ci, dans ce tissu tropical. Alors oui, nous sommes bien au mois de janvier. Non, nous sommes au mois de février même et je vous présente une chemise tropicale, tout va bien. Donc en fait, c'était une demande de mon chéri d'avoir une chemise un peu tropicale, vintage comme ça. Et on avait trouvé ce tissu au coupon Saint-Pierre l'été dernier. Et l'idée c'est que cet été je lui fasse un short assorti qui porte du coup cet ensemble sur un t-shirt blanc. Ça va être super sympa je pense. Voilà, elle lui va super bien, elle est vraiment chouette. Et donc c'est une popeline de coton, tout ce qu'il y a de plus classique, ça se coud hyper facilement. C'est ça aussi qui est chouette avec ce genre de modèle, c'est que non seulement c'est facile mais en plus ça demande des tissus faciles à coudre. Alors, j'ai rien vraiment de plus à vous dire que la dernière fois, si ce n'est que au lieu de thermocoller, je crois qu'ils vous disent de thermocoller 9 cm en fait, donc c'est 3 fois 3 cm qu'on vient rabattre. Moi, je n'ai thermocollé qu'une seule bande et c'est beaucoup plus souple, je sais pas, ça reste rigide et puis en même temps, c'est souple, j'aime beaucoup. Le col, c'est très facile, hein, c'est juste une pièce qu'on vient poser dessus puis qu'on sous-pique. Il y a des surpiqûres au niveau des emmanchures, moi c'est ce que j'aime bien sur ce modèle aussi. Voilà, manche raglan, super simple à poser. Franchement, il n'y a rien de plus à dire sur cette chemise, encore une fois, foncée quoi. Elle est vraiment chouette pour cet été, voilà. Et donc, je lui ai fait une deuxième version qui en fait était un cadeau de Noël surprise du coup. J'avais flashé sur ce tissu, je vais vous montrer. Voilà, la deuxième version. Il y a un petit fil là, il faut que je rentre le fil. Voilà la deuxième version, donc c'est un chambray de coton.
qui vient d'un magasin en Belgique qui s'appelle Mondial Textile, qui je pense a été racheté par Mondial Tissu, donc ça doit être dans le même esprit de magasin. C'est effectivement ces grands magasins où il y a plein de tissus, mais il y a beaucoup de trucs un peu bof, et puis de temps en temps on tombe sur un chouette tissu, c'était le cas de celui-ci. En fait, donc c'est un chambray avec des petits éclairs argentés dessus, et ça me faisait penser à Harry Potter, sans être trop Harry Potter, vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu le petit clin d'œil. Et donc voilà, je lui ai offert pour sa Noël, il était super content. Et alors la petite spécificité de cette chemise, c'est que c'était mon premier vêtement surfilé à la surjeteuse. Et donc j'ai pu faire voilà, les finitions ici, tout est à la surjeteuse. Et j'ai trouvé ça d'une facilité déconcertante. Et en plus, ce qui m'a vraiment, enfin ce que j'ai trouvé super chouette, c'est que quand j'ai replié mes ourlets, mes pattes de boutonnage et tout ça, j'ai l'impression que le fait d'avoir surfilé avant à la surjeteuse, ça faisait qu'au moment où je repassais, ça se mettait bien droit par rapport à quand je surfilais à la machine à coudre. Et du coup, j'ai l'impression que mon ourlet est beaucoup plus joli parce qu'à l'intérieur, c'est surfilé. Après je me trompe peut-être, mais vraiment moi j'ai eu ce sentiment que c'était beaucoup plus facile de faire des choses propres à partir du moment où c'était surfilé à la surjeteuse. Donc voilà pour cette petite chemise que j'aime beaucoup. Ah oui, les boutons viennent de la mercerie Le Script, donc la mercerie près de chez moi. Et sur l'autre, j'ai acheté des boutons aussi mais je les ai pas encore mis. Voilà. Et pourtant ça fait genre 2 mois qu'elle est cousue. Procrastination du bouton, bonjour! On passe maintenant à ce que je me suis cousu pour moi, suspense! Et donc je vais commencer par le sweat Isée de l'usine à bulles que j'avais déjà cousu aussi une fois dans un jogging rose de chez Dressenstoffen. Je vous mets la photo ici, j'avais fait un duo maman-fille. Et cette fois-ci, j'ai fait seulement maman. et donc, pour celles qui ne connaîtraient pas le patron, même s'il est archi connu, donc le sweat Isée de l'usine à bulles, qui est difficulté 2 sur 5. Oui. Même 1 sur 5, moi je dirais, surtout si vous ne faites pas les petits, les petits pétales. Il va du 34 au 52, ça, on aime. Et il est marge de couture comprise, il est disponible en PDF sur le site de l'usine à bulles et aussi sur Makerist. Moi je crois que je l'avais eu sur Makerist. Il est vraiment facile, il se coud dans un sweat voilà, classique. Je pense qu'elle demande un peu d'élasticité quand même pour l'encolure. Il y a une version courte, une version longue et puis on est libre de mettre les pétales ou non. Je vais vous montrer tout de suite ma version. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tissu, je vous en avais parlé dans mon dernier haul. C'est un sweat à paillettes qui vient de chez Stragier, qui est gratté à l'intérieur. Et voilà, il est vraiment super beau, mais vraiment super beau. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur le tissu. Ah si, et ben, en fait, au premier lavage, il a, je trouve qu'il a un peu pris un coup comme ça. C'est-à-dire que l'intérieur qui était vraiment tout doux, après le premier lavage, il est devenu un peu plus riche, un peu moins doux. Mais par contre, là, je l'ai bien lavé 5 fois depuis que je l'ai cousu. Je l'ai vraiment beaucoup porté déjà. Et il ne bouge plus. C'est-à-dire que voilà, il a bougé au premier lavage, mais maintenant, il ne bouge plus. Donc même à l'extérieur, les paillettes, j'en perds pas, il bouge pas, enfin vraiment il est d'une superbe qualité. Je crois qu'il était dans les 15 euros du mètre, quelque chose comme ça. Et vraiment moi je suis très contente. Alors ça tient quand même assez chaud. Après, je suis pas une référence pour ça, parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout frileuse, au contraire, j'ai tendance à avoir toujours chaud. Donc moi des pulls en coton. Souvent ça me suffit, je crois que j'ai juste 2 ou 3 pulls en laine dans ma garde-robe et c'est vraiment pour les jours où il fait moins 10 quoi. Sinon vous voyez là, je suis en manche courte chez moi alors qu'il fait 20 degrés, enfin 19-20 degrés. Je suis pas du tout frileuse. Alors j'ai pas fait les pétales sur celui-là. Il y a eu un moment où j'ai regretté de pas l'avoir fait, je me suis dit oh, j'aurais peut-être dû, et puis finalement je voulais vraiment un sweat qui allait aller avec, avec tous mes vêtements, qui allait être facile à porter, que je pouvais attraper le matin facilement sans me poser de questions. Et j'avais peur que les pétales, ça m'enlève un peu ça.
Finalement, je suis pas sûre, je pense que ça aurait été aussi. Mais je suis quand même très contente d'avoir fait ce choix. Donc voilà. Ah oui, ici, il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que pour la première version, j'avais enlevé des centimètres en dessous et aux manches. Et finalement, au porté, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû. Et donc finalement, sur cette version, j'ai repris le patron d'origine, en fait. J'ai gardé la longueur d'origine. Et je l'ai fait en 38. J'ai oublié de vous dire. C'est complètement décousu aujourd'hui, franchement. Alors, le vêtement suivant que j'ai cousu pour moi, c'est de nouveau un vêtement que j'ai cousu à la surjeteuse. Forcément, hein, je ne l'ai pas acheté pour rien non plus, j'avais beaucoup d'envie. J'ai cousu le jogging Malo. Je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup qui ont craqué sur ce modèle. Il est issu du dernier magazine La Maison Victor, que j'ai reçu pour ma Noël. J'étais trop contente parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qui me plaisent dedans. Donc j'étais ravie de l'avoir reçu en cadeau. Et donc le pantalon Malo, c'est celui-là. C'est un jogging en fait. Alors le jogging Malo, il va de la taille 34 à 56. Et il est assez facile à coudre. Je pense que c'était niveau 1. Ouais, niveau difficulté 1. Donc ça c'était bien. Attention les yeux. Voilà. J'ai cousu le jogging Malo dans un jersey velours. Ouais, espèce de jersey velours bizarre. Qui vient de la mercerie Le Script, près de chez moi. Qui est d'une douceur. Mais alors, j'ai craqué quand je l'ai vu. Je me voyais trop faire un vêtement doudou. Bon, à la base, je partais plus sur un pull. Et finalement, j'ai pris un pantalon. Il me semble qu'il est rentré en 38 dans 1m50, partie bord-côte incluse, que j'ai pas utilisé de bord-côte, j'ai repris le même tissu, il était assez élastique pour ça. Donc je l'ai cousu en 38. Pour moi, la taille est vraiment nickel. Et pour chérie aussi. Donc je suis trop contente parce qu'en fait, vu que vous réglez la taille avec l'élastique, j'ai eu qu'à. Enfin, moi j'ai mis. Allez, un métrage qui m'était confortable en fin de journée après un bon repas, on va dire ça comme ça. Vu que c'est un jogging, j'avais pas envie de mettre mon tour de taille et me sentir serrée, donc j'ai mis un peu plus. Et en fait, du coup, pour lui, ça lui va nickel. Il y a juste que, vous savez, les hommes, ils portent leurs pantalons, enfin la plupart hein, des hommes portent leurs pantalons plus bas que les femmes. Et donc, lui, il lui arrive trop bas au niveau des jambes, donc je vais lui refaire. Et je vais enlever en fait le... En fait, on hésite. Soit je raccourcis de la hauteur de l'empiècement ici, et puis j'en refais un quand même, mais il aime pas lever, donc il faudrait que je fasse un fermé. Soit il m'a dit, tu peux carrément l'enlever et tu fais un ourlet au bout, et ça m'ira très bien. Donc voilà, j'hésite encore, on verra. Mais donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce modèle? Il est très simple en fait. Vous avez trois pièces, comme, enfin il y a une pièce côté, une petite bande ici. Et puis il y a le devant et le dos. Et alors la petite bande, je ne sais pas si vous le verrez bien, je l'ai faite, j'ai coupé le velours dans l'autre sens pour qu'il y ait cet effet de lumière. J'espère que ça se voit ce que je fais, que j'ai pas l'air débile avec mon pantalon, mais voilà, ça se voit une fois porté en fait. On voit vraiment que le velours est dans l'autre sens et du coup il brille différemment et je trouvais ça super sympa comme effet. J'ai mis un cordon qui vient de chez Stragier, je l'avais commandé en même temps que d'autres choses. Et alors l'élastique par contre c'est pas fini parce que normalement vous posez 3 élastiques d'un centimètre et moi j'en avais assez que pour faire une bande donc, et la mercerie est fermée cette semaine donc il faudra que je rachète de l'élastique pour terminer ça, mais je ferai ça la semaine prochaine, ça m'empêchait pas du tout de vous le montrer. Les poches en fait c'est un système un peu bizarre où on... C'est compliqué de vous expliquer, en fait on plie la pièce et puis on la coince ici au-dessus. C'est assez facile à faire, faut juste comprendre le truc la première fois. Et du coup vous voyez à l'intérieur tout est surjeté. Tout a été cousu à la surjeteuse.
La seule difficulté que j'ai eue, j'ai dû recouper ma ceinture. J'ai fait mes boutonnières sur ma ceinture, déjà un peu trop bas. Et alors au moment où j'ai monté ma ceinture, j'ai monté les boutonnières dans le dos. Donc j'ai voulu découdre mon surjet. Et là, voilà, après un quart d'heure, j'ai pété une case, j'ai dit non merci. Et du coup, j'ai coupé en fait au bord de la couture la ceinture. Je l'ai balancée et j'en ai recoupé une nouvelle que j'ai posée, voilà, que j'ai refait tout bien dans le bon sens et que j'ai posée sur mon pantalon. Voilà. Pour le bas, c'était la première fois que je faisais les petits pieds comme ça avec levé. J'ai trouvé ça très bien expliqué, très clair, très facile, voilà. Et alors, en termes de difficulté, ben, c'est plutôt le tissu chez moi qui était pas simple parce qu'il, vu que les poils sont à l'extérieur, vous savez d'habitude le sweat, enfin parfois c'est tout doux mais c'est à l'intérieur et donc quand vous cousez, vous faites endroit contre endroit les faces pas poilues l'une contre l'autre. Ici c'était systématiquement poilu contre poilu et donc c'était compliqué à coudre. Ça glissait beaucoup, même avec la surjeteuse, voilà, c'était pas évident, j'ai mis beaucoup d'épingles. J'ai bâti à la main la ceinture et malgré tout, c'est pas parfait, mais maintenant que je le vois avec plusieurs jours de recul, je me dis que ça va. Mais donc voilà, je suis très contente de ce jogging. Il est très agréable à porter et je vous laisse d'ailleurs avec la vidéo portée. Le monde de la surjeteuse pour le temps d'une cousette puisque je vais maintenant vous parler de mon premier manteau. Voilà, ça me fait tout bizarre de dire ça à haute voix, mais oui, j'ai cousu mon premier manteau. Je suis trop ravie. Alors ça va être compliqué de vous le montrer super bien comme ça, donc j'incrusterai des images pendant que je parle de la pièce et des détails parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais donc j'ai cousu la cape Thelma de Make My Lemonade, donc c'est un manteau facile pour un premier manteau, c'est très bien pour les débutants. C'est une taille unique, donc ça aussi je trouvais ça bien, ça m'évitait de passer des heures à coudre un manteau pour me rendre compte qu'il n'était pas ma taille. Donc voilà, c'est une taille unique, c'est une cape qui a des trous pour passer la main, mais qui a aussi des poches cousues à l'intérieur, qui a cette petite encolure toute mignonne, qui se ferme à l'avant par des boutons et qui est intégralement doublée. Donc je trouvais ça plutôt chouette pour un premier manteau, surtout qu'on est accompagné avec une vidéo. Certes, les vidéos Make My Lemonade pourraient être meilleures, en tout cas les anciennes. Mais voilà, ça m'a suffi, en tout cas pour la plupart des trucs, vous verrez. Mais non, ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ma cape. Ça ressemble à rien comme ça. Et donc j'ai fait comme je vous avais dit dans le haul, dans mon dernier haul, quand je vous avais parlé de mon achat de ce linage chez Driessenstoffen, et que je voulais le doubler avec mes rideaux, mes anciens rideaux de mon ancienne chambre à coucher du coup. Et j'ai utilisé pour le col une chute de... Comment ça s'appelait encore? De la suédine fourrée. Donc j'ai utilisé la partie intérieure, en vert. Que j'ai doublé avec le coton de mes rideaux. Voilà. Alors, par quoi je commence? Alors, déjà, moi, j'ai fait imprimer le patron en A0. C'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai pas regretté une seule seconde, surtout que c'était une taille unique. Donc, je savais que j'allais juste le découper une fois. Je ne sais plus chez qui j'ai fait ça. Je crois que c'est Impression Plan. Mais je vous mettrai ici le nom du site où j'ai commandé. J'étais ravie des impressions, sachant qu'en Belgique, les frais de port, ça coûte, mais la blinde sur ces sites-là, alors tous, hein,
tous les sites d'impression à zéro pour la Belgique, ils sont vraiment, mais enfin, ils nous font pas vraiment de fleurs, je trouve. Et donc, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé 13 patrons d'un coup, je crois, pour que les frais de port me soient allés rentabiliser sur les patrons en eux-mêmes. Sinon, je crois que j'en avais pour 20 euros de frais de port, quelque chose comme ça, quoi. C'était vraiment très cher. Mais c'était tout ça, hein. J'en ai essayé plein, c'était chaque fois le cas. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. Un petit mot comme ça. Mais sinon, donc ça, c'était pour le patron, facile à découper. Voilà, il n'y a rien à faire, hein, c'est hyper simple. Pour le tissu. Alors, le lainage, il était parfait pour coudre cette pièce. Le hasard a fait que dans mon choix, je suis tombée pile poil sur le lainage qu'il fallait, que ce soit au niveau facilité de couture pour une débutante qui n'en avait jamais cousu, ou par rapport à la pièce en elle-même. Il n'y a eu aucun moment en fait où l'épaisseur m'a dérangée. Pourtant, j'ai pas une machine à coudre de compétition. Il n'y a eu vraiment aucun moment où je me suis dit ce tissu est compliqué à coudre. Au contraire, ça se positionnait super bien, ça bougeait pas. J'avais qu'à mettre des petites pinces, j'ai même pas eu à épingler. Enfin, vraiment, c'était hyper simple. Donc la partie assemblage de l'extérieur en lainage et de l'intérieur en coton, ça a été super vite. C'était vraiment hyper simple. Ensuite, pour le col, comme je vous ai dit, j'ai utilisé la moumoute et le coton. Et là, j'avais un peu peur que ce soit compliqué. Et non, franchement, c'était hyper simple. Et ça rend super bien. Donc ça, c'était facile aussi. Placer le col, c'était facile, malgré qu'il y avait quelques épaisseurs. Vu qu'on vient le prendre en sandwich entre la parementure et l'extérieur du manteau. Donc c'était facile aussi. Vous allez dire, mais où a-t-elle galéré? Je vous vois. Alors, la partie où j'ai galéré, c'est au moment où j'ai assemblé la doublure sur la parementure. Du coup, vu qu'on a le tissu extérieur, on a la parementure, et puis on vient attacher la doublure à la parementure. Et au moment où j'ai fait ça, j'avais un embut de 16 centimètres de chaque côté, je crois. Non, 8 cm de chaque côté. Donc j'avais entre là, entre ici et là, j'avais 8 cm d'embut. Et pareil de l'autre côté. Ma doublure était 8 cm trop longue par rapport à mon tissu extérieur. J'ai retourné le truc dans tous les sens. J'ai revérifié mes pièces de patron, on les a remis sur mes tissus. J'ai vérifié que je m'étais pas trompée, que j'avais pas inversé des pièces parce que voilà, il fallait s'y retrouver. Mais non, j'avais mis des numéros sur chacune. J'ai tout revérifié. Je ne sais pas d'où venait cet embut. Ça m'a rendue folle. Et du coup, j'ai décousu et recousu ma doublure 3 fois. Donc tout, tout décousu, tout recousu 3 fois. Pour tenter de résorber au maximum cet embut sans couper mon tissu. Parce que le problème, c'est que j'avais déjà cousu mes poches sur ma doublure. Et ici, il fallait que ça tombe plus ou moins juste. Donc, parce que sinon, j'aurais pu juste recouper le bas ici et me dire, bah voilà, je rabote de quelques centimètres et voilà. Et non, j'ai pas fait ça. Et donc, je me suis amusée à résorber l'embut ici. Alors, ça se voit pas trop. Il y a des endroits où on voit que ça tire un petit peu, mais ça va. Franchement, si jamais vous avez cousu ce modèle, dites-moi si vous avez eu la même chose. Parce que du coup, moi, j'ai utilisé le patron A0 qui était nouveau. Avant, ce modèle, il n'existait qu'en A4. C'était nouveau, le A0. Alors, j'espère que c'est pas une coquille dans la version A0 du patron. Je pense que je la referai l'année prochaine. Et je mettrai pas les poches intérieures, à mon avis. Ou alors, je les mettrai une fois que j'aurai vérifié que ça match. Mais je suis curieuse de refaire juste pour savoir si l'erreur vient de moi, parce que ça m'a énervée, quoi. Maintenant, ça m'est passé, mais sur le moment, ça m'a vraiment énervée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé les coins à la main. C'est pas hyper beau, mais voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Aussi parce que je trouve que c'est pas bien expliqué du tout dans la vidéo sur comment terminer ici les coins. Et forcément, j'ai fermé les poches à la main. Enfin, les poches, non, les trous pour les mains. Sachant que moi, la couture à la main, c'est pas que j'aime pas, dit la fille qui procrastine pendant 2 mois ses coutures à la main, c'est pas que j'aime pas, c'est que je n'ai pas appris à bien faire. Et vu que j'aime quand c'est bien fait, je suis frustrée quand je couds à la main parce que j'ai l'impression que... Je suis désolée, j'ai toujours un petit poil, il me chatouille les yeux.
quand je suis en train de coudre à la main, je suis frustrée parce que j'ai l'impression que c'est vraiment naze, quoi. Mais c'est vraiment nullissime et que ça pourrait être mille fois mieux. Et que du coup, je me dis, mais c'est censé être une finition ultra qualitative. Et chez moi, ça ressemble à rien, quoi. Donc voilà, je suis frustrée avec ça. Je pense que je vais chercher un cours vidéo, quelque chose pour apprendre à coudre à la main et vraiment prendre le temps d'apprendre. Voilà, c'est pas, ça vient pas comme ça. Je pense qu'il faut apprendre les bons gestes. Et je dirais que c'est pour ça que j'aime pas la couture à la main. Mais sinon, le fait de coudre à la main, en soi, j'aime bien. Je fais ça devant une petite série, ça me relaxe. En soi, ça me dérange pas. Donc voilà. Alors, que dire d'autre? Elle n'a pas encore de boutons parce que je savais pas quoi mettre. Et j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Pour au final me décider sur des pressions à coudre à la main que je vais mettre à l'intérieur. Et là. Et le jour où je trouverai des beaux boutons, ben, je viendrai les poser par-dessus, mais vraiment pour décorer. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas vu quelque chose que je... Allez, un bouton que je me suis vraiment dit, ah, ça va être parfait, donc j'ai pas pris. Et alors, le seul reproche que je ferai à ce patron, mais c'est souvent le cas avec les patrons Make My Lemonade, j'ai l'impression, c'est que c'est destiné à être facile, surtout les vieux modèles. C'est quand même destiné à être facile, à être vite cousu. Et je trouve que ça manque parfois de finition, et notamment je pense qu'il aurait fallu, j'espère que j'utilise le bon terme, il aurait fallu glacer les parementures pour que ça se tienne bien, parce que là du coup ça gonfle un petit peu, et par moments on voit que ça dépasse un tout petit peu par en dessous, mais pas de beaucoup. Et donc si c'était à refaire, je ferais soit, bah déjà oui, je ferais une sous-piqûre au moment où je mets ma parementure, pour qu'elle reste bien, voilà, que la couture s'aplatisse bien. Et peut-être qu'il faudrait glacer la parementure à la main, je pense que ça se fait à la main, pour que ça tienne bien, voilà. Et j'aimerais bien venir coudre ici une jolie petite étiquette aussi. Mais voilà ma petite cape, je vous laisse avec une vidéo portée. J'aurais tellement voulu aller faire une vidéo dans les bois. Normalement c'était prévu qu'on allait faire ça avec une amie, mais vu qu'il y avait le Covid à la maison, on n'a pas pu le faire. Et à force, voilà, il faut quand même que je vous fasse mes bilans couture et que je vous présente mes cousines. Donc je vous ferai la vidéo portée ici à l'intérieur, et si j'ai un jour des images de ma cape en extérieur, je vous les mettrai aussi. On attaque maintenant les cousettes que j'ai faites pour ma fille. Elles sont au nombre de 4. Toutes cousues à la surjeteuse. voilà, et je me réjouissais. Il y avait des tissus en fait que je gardais spécifiquement pour le jour où j'aurai une surjeteuse. Donc je suis vraiment très contente. Et je vais commencer tout de suite avec le gilet berger de Super Bison. Donc c'est le gilet Maëlle. C'est un patron gratuit. Qui est accompagné d'un tuto vidéo. J'avais même pas remarqué en fait, c'est en ouvrant les instructions en PDF que je me suis rendu compte que à chaque étape, ça nous renvoyait vers une petite vidéo qui nous montrait cette étape. Que demander de plus ? Ça va de la taille 2 à 12 ans et c'est niveau 1 sur 4. Alors moi, c'est vraiment un vêtement que je vous recommande si vous n'avez jamais, jamais, jamais cousu de vêtements. C'est hyper simple, c'est hyper bien expliqué et il faut pas beaucoup de tissu. Donc, que demander de plus? ah oui, et alors en plus, vous voyez le nombre de feuilles sur le PDF. Il y a quasi rien, quoi. Enfin, ça prend 5 minutes d'assembler le PDF. C'était moi qui aime pas ça, c'était vraiment très rapide, donc très chouette. Alors, moi, je l'ai cousu dans la taille 3 ans. Voilà, on y file qui se balade, qui n'a rien à faire là. Moi, je l'ai cousu dans la taille 3 ans. Pour les tissus extérieurs, j'ai utilisé, je me souviens plus du mot, Teddy
c'était pas le teddy super soft, genre du teddy tout court, je sais plus, qui vient de chez Stragier, que j'avais acheté avec une promotion. Il y avait une promotion, ces tissus-là qui coûtent très cher en temps normal, c'est plus de 20 euros du mètre. Moi, j'en ai pris que 50 cm. Et ben voilà, c'était une petite promo qu'il y avait dessus. Alors, il est bien, mais je suis un peu obligée de le comparer à celui-là. Vous savez, ma suédine fourrée. Et ben, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez la différence. Je sais pas si vous voyez la différence, mais au toucher, c'est pas du tout, du tout la même chose. Celui-là, il est super doux. Et celui-là, pas. Après, je suis pas sûre des compositions, faudrait que je regarde. Mais celui-là, il fait vraiment mouton, quoi. Vous savez, voilà, moutonné, mais pas super doux. Que celui-là, c'est plus comme un petit chat, quoi. Pour vous donner des exemples. Et je suis très contente de ce tissu. Mais il attrape toutes les petites crasses dans la machine à laver et de manière générale. Et elles restent coincées dedans. Et c'est insupportable. J'arrive pas à les récupérer. Pourtant je l'ai lavé avec que d'autres tissus blancs, j'avais plusieurs tissus blancs à laver donc je les ai lavés en même temps et pourtant il a pris plein des mini crasses comme ça, je sais pas d'où ça vient, ça m'énerve parce que bah, voilà, c'était un tissu qui était assez cher. Le cordon il vient aussi de chez Stragier et alors l'intérieur c'est une imitation Liberty, mais ce fil il revient quoi. L'intérieur c'est une imitation Liberty, c'était un coton que j'avais acheté chez Drissen Stoffen dans lequel je m'étais fait ma tenue de mage comme l'aime appeler mon chéri. Il m'en reste pas mal en fait de ce tissu, il m'en reste encore plein et donc je l'ai doublé là-dedans. Je vois qu'il y a un truc bizarre. Il me reste encore à fermer la couture à la main. Procrastination, bonjour. Tu vas bien? On se connaît bien depuis le temps. Donc voilà, très très contente de ce petit gilet. Je pense, je sais plus si je l'ai dit, je l'ai cousu en 3 ans et il lui va vraiment super bien. Il tombe nickel. Ça fait pas un gilet crop top, hein. Ça fait vraiment un gilet qui s'arrête à la taille. Et voilà, sur ma fille c'est nickel et pourtant elle est petite. Donc voilà, je dis ça parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que ça taillait genre gigantesque. Moi en 3 ans j'ai pas eu de problème. Voilà, j'ai cousu intégralement à la surjeteuse. Ça s'est bien passé. Comme je vous ai dit, c'est hyper simple quoi. Y a rien de compliqué. C'est la petite cousette qui relaxe. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut faire ça dans plein de tissus différents. Et j'envisage justement peut-être de lui refaire une version jeans et moumoute à l'intérieur. Et aussi, j'y ai pensé l'autre jour, on pourrait upcycler des vêtements et en faire des gilets comme ça. Si par exemple, vous avez des vieux pulls qui traînent ou bah, justement des vieilles vestes en jeans, ou on pourrait faire directement couper les pièces ou même faire un patchwork et faire des petits gilets. Enfin, je pense que ça peut être sympa. Donc super patron, gratuit, je recommande, c'est la deuxième fois que je couds du super bison et à chaque fois je suis choquée de la qualité des explications et des planches PDF, donc foncez quoi. Je continue dans les cousettes que j'ai faites pour ma fille avec une petite robe d'hiver que j'ai réalisée en 2 versions. Elle provient du magazine Katia Fabrics Origins, c'est un magazine dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais si jamais vous ne connaissez pas les patrons et les tissus Katia Fabrics, je vous invite à aller sur leur site. Ce ne sont pas des magazines au sens mensuel que vous allez trouver en librairie, ce sont des patterns magazines, comme ils appellent ça, donc des catalogues de patrons, on va dire, qui présentent aussi leur collection de tissus. Vous les trouvez plutôt dans des merceries ou directement sur leur site en fait. Ils offrent de temps en temps la livraison gratuite, donc n'hésitez pas à regarder. Et leurs tissus sont très beaux. Ils vont sortir une nouvelle collection dans les prochains jours, je crois. Ils ont fait une vidéo de lancement qui est magnifique. Et ils vont sortir aussi un nouveau catalogue de patrons. Donc n'hésitez pas à aller voir. On ne sait jamais qu'il y aurait des choses qui vous plaisent. Moi, j'ai déjà cousu pas mal de modèles dans cette marque. À chaque fois, je suis super contente. Donc je continue. Hein. Je crois que c'est 10 euros le magazine et il y a quand même pas mal de modèles dedans. Donc Origine, c'était le tout premier que j'avais acheté, c'est celui de l'hiver, pas de cette année mais de l'hiver dernier, et j'ai déjà cousu pas mal de modèles dedans, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas pour ma fille je vois pas d'autres modèles que j'ai pas fait, que je lui ferai pour le moment en tout cas, et donc cette fois-ci je vais essayer de le tenir sans que tout tombe parce qu'il y a vraiment plein de trucs décalqués partout.
Cette fois-ci, j'ai cousu la petite robe ici. Voilà. Qui va du coup de la taille 86 à 104. Et elle existe aussi pour les bébés de 62 à 80. Mais il y a une dame qui m'a dit sur Instagram qu'elle avait cousu la version bébé dans deux tailles bébé, et que les deux étaient beaucoup trop petites. Donc vérifiez peut-être d'abord sur le patron avant de le décalquer si ça convient à votre enfant. Moi j'ai cousu la robe en 98 cm, donc l'équivalent d'un 3 ans, et c'est parfait. Quand je dis c'est parfait, c'est-à-dire que moi j'aime coudre un tout petit peu plus grand que sa taille actuelle, parce que ma fille est petite, elle grandit pas vite, et en général si je fais ça, elle porte les vêtements pendant deux années on va dire, donc un hiver et puis l'hiver encore de l'année prochaine. Depuis qu'elle est née en fait, ça se passe comme ça quasi, elle grandit vraiment pas vite, et le fait de coudre, par exemple là elle mesure 93 cm je crois, je me base que sur sa hauteur, parce que si je me basais sur ses mensurations on serait genre sur du 1 an, donc je me base que sur sa hauteur. Elle doit faire à peu près du 93 cm, du coup je couds du 98, comme ça je sais que c'est un peu grand maintenant, mais qu'elle saura le mettre encore pendant longtemps. Je trouve que c'est déjà, quand j'achetais des vêtements dans le commerce, c'est comme ça que je faisais, et je trouve que c'est pas chouette de coudre quelque chose qui est ok sur mesure le jour J, mais si dans 2 mois elle sait plus le mettre, moi je trouve ça dommage d'avoir passé autant de temps à coudre et à choisir des tissus et tout, surtout qu'elle est toujours contente. Voilà, c'est ma vision, c'est ça que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah, j'ai cousu ça, c'était trop petit. » Oui, mais quand on coud pour les enfants, on coud pas précisément pour les mensurations qu'ils ont aujourd'hui. En théorie, on coud quand même, on voit venir, voilà, c'est ma vision des choses. Je sais pas, dites-moi comment vous faites quand vous achetez des vêtements pour vos enfants ou vous cousez pour vos enfants. Comment vous choisissez la taille? Moi j'avoue que je prends sa hauteur et je prends la taille au-dessus de sa hauteur. Voilà. C'est tout, c'est comme ça que je fonctionne. Donc cette petite robe, je l'ai cousue intégralement à la surjeteuse. C'est niveau 2 sur 3. Il y a en fait deux grandes poches plaquées sur le devant. On a la patte de boutonnage au niveau de l'épaule avec les boutons pression. Et on a des fronces à la taille. Donc j'ai d'abord cousu cette version-ci, c'est un jersey de coton qui vient de chez Katia Fabrics, que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture, donc il y a plus d'un an maintenant, et c'était vraiment un tissu que je réservais pour un modèle un peu spécial, pour le jour où j'aurai plus d'expérience, des meilleures finitions, etc. C'est vraiment un tissu que j'aimais beaucoup et que je voulais pas coudre tant que j'étais pas plus à l'aise. Tout à la base, je l'avais acheté pour lui coudre un pyjama, et puis finalement, j'avais pas envie de le coudre en pyjama. Là, il a l'air un peu passé, mais en fait, il a déjà été lavé, au moins 7 fois, je crois. Elle a vraiment déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mise. Voilà, il est légèrement passé, mais parce qu'il est déjà passé beaucoup de fois à la machine. Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, au niveau des poches, c'est vraiment sympa, en fait. Elles sont super grandes, elle peut cacher tous ses jouets dedans, c'est super chouette. On a les fronces ici, c'est toujours pas ma grande spécialité. En général, je trouve que ça va, c'est pas trop mal, mais je suis frustrée un peu du côté pas toujours super régulier du truc. Et c'est surtout que pendant que je l'ai fait, je suis toujours hyper stressée, j'ai l'impression que je vais péter les fils. Je suis pas encore hyper à l'aise avec les fronces, même si en général le résultat final est tout à fait correct. Je suis pas encore hyper à l'aise, donc voilà. La spécificité de ce patron, c'est qu'il nécessite quand même au moins 1 mètre de tissu, il me semble, parce que le haut est coupé d'une seule pièce. Et donc vous voyez qu'il faut quand même une certaine largeur, on ne sait pas mettre deux hauts sur la laisse, il faut les mettre l'un sur l'autre. Et la jupe, pareil, est assez grande avec les fronces, enfin à la base c'est un grand carré comme ça. Ça prend quand même du tissu pour une robe de petite fille, je trouve, mais le résultat est super sympa. C'est voulu que ce soit retroussé comme ça, donc les manches sont un peu longues à la base, et donc vous venez retrousser pour le petit effet. Donc vous voyez mes finitions à la surjeteuse, hein, super sympa. Au niveau des ourlets, j'ai utilisé le point zigzag élastique. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Ça tient super bien au lavage, que ce soit sur la culotte que j'avais faite, le t-shirt que j'ai fait, ou ici les robes, ça tient hyper bien au lavage de faire le point
triple élastique, donc triple zigzag élastique. Donc moi je suis assez contente de cette finition. Je l'ai fait aussi au niveau de l'encolure aussi, et je trouve que ça rend pas mal du tout, même à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça à l'intérieur, et je trouve ça assez joli. Alors au niveau, ah oui, il m'est quand même arrivé une mésaventure au niveau de la pâte de boutonnage, enfin au niveau des boutons pression en fait. C'est que au départ, je les avais cousus comme ça, sans me poser de questions. Et puis je le mets sur ma fille, je fais mais en fait c'est bizarre, ça lui fait comme un gros pâté là, c'est pas normal. Et je me dis bah tant pis, c'est raté, je saurais pas enlever les boutons pression. Et là, mon chéri me dit mais si attends, je vais essayer de les enlever. Et donc il a réussi à me détacher des boutons pression jersey avec juste un petit couteau, sans abîmer du tout le tissu. Donc si jamais vous voulez des services pour enlever des boutons pression jersey, vous pouvez faire appel à lui, il a fait ça très bien. Et donc j'ai pu les remettre dans le bon sens. Donc voilà, cette petite robe qui lui va super bien, elle la mettra encore un bon moment. Elle est super à l'aise dedans, ça a l'air tellement confortable, c'est un peu la robe cocooning d'hiver, super chouette mais en même temps mignonne. Ah oui, je vous ai pas dit, en fait sur le tissu il y a des petites paillettes comme ça. Trop jolie. Alors la deuxième petite robe, je vais aller assez vite dessus vu que c'est exactement le même modèle, je n'ai rien changé. Vous avez toujours les poches, les fronces, la pâte de boutonnage, toujours tout pareil. Je vais juste vous parler du tissu du coup. C'est un jersey jacquard double face de chez Stragier. Alors j'ai eu ce tissu pendant le Black Friday je crois, sinon il coûtait une blinde. Je l'ai du coup payé beaucoup moins cher. Sinon je pense pas que je l'aurais acheté. Et j'ai fait en fait la robe de Noël de ma fille. Donc c'était la robe qu'elle a portée pour le réveillon de Noël. Alors le jersey jacquard double face, la spécificité c'est que vous avez vraiment deux épaisseurs de tissu quoi. Il y a une espèce de tissu blanc jersey qui est comme cousu sur le tissu jacquard. Je vous ai trouvé, en fait je vais me faire une culotte, un shorty Billy dans les chutes et du coup je vous montre. Vous voyez vraiment ces deux bouts de... Enfin ouais c'est comme deux tissus qui sont cousus ensemble. Et du coup le jacquard de l'envers vous voyez pas, il n'y a pas un deuxième... Enfin c'est pas un jacquard que vous pouvez utiliser dans les deux sens, c'est ça que je veux dire. C'est que vu qu'il y a une deuxième épaisseur... Vous avez le jacquard que de ce côté-là. C'est un tissu qui était pas difficile spécialement à coudre, mais un peu plus difficile qu'un jersey classique, je trouve. Dans le sens où c'est comme un lainage, quoi. Ça se trouve un peu plus facilement et tout ça. Mais sinon, c'était pas compliqué. J'ai juste complètement pas pensé au raccord quand j'ai coupé mes pièces. Et heureusement, ça se mettait pas trop trop mal. Mais sinon, je suis super contente. Elle est un peu plus chaude que l'autre. C'est plus un tissu pour se faire des petits pulls, je pense. Et du coup, ça lui fait une vraie repulle pour le coup. Donc voilà, super contente. On en arrive enfin à la dernière pièce. J'ai vraiment l'impression que ce bilan couture va durer 1000 ans. Je sais pas comment je vais faire au montage. Je pense qu'il va falloir aussi gagner du temps. Bref. Donc, la dernière pièce, elle vient toujours du magazine Katia Fabrice Origine. Et j'ai donc cousu le sweat à capuche, le sweatshirt, il s'appelle ça. Donc c'est le numéro 24 ici. Donc c'est un sweat avec une poche kangourou et une capuche, hein, tout ce qui est plus classique. Il va aussi de la taille 86 à 104. Et lui par contre, il n'est pas dans la version bébé. Non, il n'est pas dans la version bébé, il est dans la version pour les enfants. Et donc il va aussi de la taille 116 à 152. Donc ça c'est cool. Je dis c'est cool parce que je sais déjà que je vais lui en refaire plein. Donc je vous montre sa version. Attention les yeux, ça va piquer. Voilà. Alors c'est ma fille qui a choisi ce tissu à la mercerie près de chez moi, donc au Script. C'est un jersey Nikki. Donc vous savez, doublé Nikki comme ça. Il est magnifique. Voilà, ce tissu est juste... magnifique, je veux le même, une autre couleur, mais je veux le même. Alors il faut savoir que ma puce a une passion, et c'est le mot est faible, pour le jaune. Et là c'est une espèce de jaune d'œuf, je trouve. Vous trouvez pas? On verra un jaune d'œuf, jaune orange. On n'était pas d'accord avec le vendeur, c'était du jaune ou de l'orange. Nous on voyait du jaune, lui voyait de l'orange.
je ne sais pas, je trouve que ça change avec la lumière. Mais voilà, ma fille a une passion pour le jaune et l'orange, en plus ça lui va super bien, donc quand elle voit des tissus dans ces couleurs-là, elle me demande toujours qu'on les achète. Et donc là, on a flashé sur celui-là, et quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, je lui fais un pull doudou à capuche, avec une grosse poche, elle va trop aimer. Et elle a choisi un petit patch thermocollant à la mercerie aussi. C'est la première fois que je posais ce genre de choses, c'est d'une facilité déconcertante. Je pense que je vais en acheter plein, c'est trop bien. Et donc ce pull, je l'ai cousu à la surjeteuse, en 98 cm toujours. Là pour le coup, il est quand même un peu grand, mais c'est rien, il le mettra longtemps, puis c'est un pull doudou. La poche est posée sur l'avant. J'ai surpiqué ici avec un fil à peu près de la même couleur. Je suis pas fan de ma surpiqûre, ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà, c'est quand même plutôt bien. J'ai tout surjeté. La capuche, c'était pas simple parce qu'en fait, donc la capuche est doublée, c'est prévu dans le patron. Et moi, j'ai décidé de la doubler avec l'envers du tissu. Donc au lieu de faire endroit contre endroit, j'ai fait endroit contre envers, quoi, pour me retrouver avec l'envers là. Donc c'est deux capuches mises une dans l'autre, quoi. Donc ça, je trouve que c'est super sympa. Et ici, c'est croisé. Je suis pas sûre si c'était censé l'être autant, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris et que ça se mettait. Et du coup, je me retrouvais avec quand même 5 épaisseurs, je crois, à passer à la surjeteuse ici. Alors, il n'y avait pas de problème pour les passer à la surjeteuse, mais de nouveau, je me suis retrouvée à un moment donné avec poilu contre poilu, et c'était pas évident, quoi. Donc, j'avais 5 épaisseurs qui glissaient comme ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti à la main toute la partie ici devant, avant de la passer à la surjeteuse, et ça a été tout seul. Au niveau des bracelets de manche, j'ai pas eu de problème, si ce n'est que je me demande si je devrais pas surpiquer le surjet, voilà, vraiment à l'intérieur pour que ça se tienne bien, sinon ça a tendance à se retourner. Et pour le bas, j'ai eu un souci, en fait il y a un endroit où j'ai pas surjeté droit et je me suis retrouvée avec un petit trou, et je suis repassée genre 5 fois avec la surjeteuse pour faire partir mon trou, sauf que je m'y prenais mal, et du coup bah voilà, j'ai un truc vraiment tout moche où je suis passée plusieurs fois, sinon pour le reste c'est nickel. Alors il y a un truc que j'adore avec la surjeteuse Babylock, c'est que non seulement elle s'enfile toute seule, elle gère les tensions toute seule, machin, mais en plus elle garde le moelleux, vous savez, elle garde le moelleux du sweat quand on surjette, elle écrase pas le tissu. C'est un truc qui me faisait un peu peur avec la surjeteuse, c'était que ça, parce qu'avec ma machine à coudre, ça faisait un peu ça, ça écrasait comme ça quand je cousais des tissus comme ça épais. Et la surjeteuse, ça fait pas ça du tout, ça garde bien le moelleux du tissu, donc c'est super agréable. Et là aussi, je pense que je vais faire une petite surpiqûre pour que ça tienne bien. Alors il y a des toutes petites taches, parce qu'elle l'a portée ce matin, je lui ai demandé de l'enlever pour le repas, histoire qu'il soit quand même en état pour vous le montrer, mais voilà. Elle est trop mignonne dedans, mon chéri veut le même, tellement il adore. Je suis enfin arrivée au bout de ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. Je pense que si c'était trop long, j'aurais coupé. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était un gros bilan couture pour la 10e, on va dire. Voilà, moi je suis très contente de tout ce que j'ai cousu. Une fois de plus, la couture reste toujours un grand plaisir. J'ai hâte de progresser. Alors, je peux déjà vous dire que dans le prochain bilan couture, il y aura une veste Jolie Lab. Le short George de Apolline Pattern et ensuite Burdaisy. Pour le reste, je ne sais pas encore. Voilà. Je vous dis merci beaucoup si vous êtes toujours là de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une excellente couture, une excellente journée, une excellente soirée, une nuit, peu importe où vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt.